onion? Do you like onion? Mm. Onion? Yes or no? Yes. Yes, okay. No. Loana, do you like beetroot? No. Yes. Today the children will be doing some cooking. So we are learning food vocabulary today. La prof avec Janine, en fait, on voulait mettre de la salade, des cornichons, des tomates sur l'hamburger, en fait, c'était sur une feuille. Faut dessiner du fromage, des tomates, de la salade. Voilà, mais c'était super. Et après, il faut le colorier. Et après, je l'ai collé dans mon cahier. Thursday, and it is the children's last day. Today we've been doing following instructions, where the children listen to what I say and they follow the instructions. Also today we're going to be doing some cooking, so they will read a recipe and they will follow the instructions to make pikelets today. Can you say knife? Where is the knife? Good. Where is the fork? Spoon and teaspoon. Good. Milk, meat, jam, cream, sip. Very good. Okay, just glue there and put it in your book. Dans cet exercice, les mots que je vous connais, il y a James, c'est confiture, milk, lait, il y a butter, c'est beurre, il y a cream, c'est crème, enfin, il y a beaucoup de mots quand même. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et j'ai retenu plein de nouveaux mots. Je ne savais pas que spatule, c'était spatula, que la farine, c'était flour. Et que bol, c'était presque le même mot, bol. On a fait deux groupes, un groupe qui fait les cookies et un autre groupe qui fait qui parle du skylife. Alright, so first one, what's your name? Luan. Please come here, Luan. Me. Faire des pikelets, j'ai une liste en anglais et je vais vous le dire en français. Alors, il faut 2 œufs pour un bol de lait, il faut mettre du sucre et il faut mettre une pincée de sel, il faut mettre du beurre. Après, on mélange tout. Après, on met de la farine. Et après, on met sur une plaque pour chauffer. Moi, je m'occupe de mettre ça à l'envers et puis mettre là-bas. Donc la cuisson. On pense la refaire en noël. Pour le dernier jour,
fait des chansons et on a fait de la des cuisine. Pancakes. Voilà, des pancakes. Et avec la confiture, c'est super bon. Ouais. Je trouve que le goût, c'est le goût de la crêpe, mais en rajoutant de la confiture, c'est le goût de la myrtille et c'est très très délicieux. Franchement, ils sont super bons. Mais pourquoi je suis appris ça? C'est la première fois qu'il y a du pancakes, enfin, que je fais du pancakes, tout ça. C'est super bon. On a vu comment il faut mettre les casques, comme tout à l'heure on va au skydive. Et ben, la maîtresse nous a montré comment faire les mettre. Et ensuite on nous a demandé ce qu'on a aimé le plus comme activité cette semaine. Et on doit le dessiner. Donc moi j'ai terminé du coup sur ma première page. Moi j'ai dessiné The Big Splash à Rainbow. C'est une attraction, c'est un petit bateau en fait. Et à un moment il y a une descente et c'est trop cool. Moi ce que j'ai aimé c'est le Big Splash, le golf, le taureau mécanique et puis le shooting, un peu comme le tir à l'arc. Okay, are you ready? Ready, go. E-o-e, kamateo, e-hime okimaira. Go. New Caledonia is very, very important for us. We have wonderful connections and friendships between Rella and New Caledonian families. Well over 20 years, we have had New Caledonian families who send their students to Rella to improve their English. Many of our students from New Caledonia come in the school holidays. Some of them come long term. So some, when they have finished school, they come and they study long term for international English qualifications. They may come for 1 or 2 weeks and we run a special program for them. We teach them in a special class in the mornings, and in the afternoons they go out and they see all the amazing things that they can see in Rotorua. We have wonderful activities which your students really enjoy. We enjoy hosting them very much because they're great students, lively and energetic and very, very keen to learn and to improve their English. We always welcome New Caledonia students and we're very happy to come to New Caledonia every August to promote our school and to show people what a fantastic time they can have in Rotorua. We love having New Caledonia students at our school. New Caledonia students are friendly, outgoing, and they bring a very, very special colour and life to our school, which we love. The children in my class, they know a lot of vocabulary, but they need to practice more conversation skills so that they're saying sentences rather than just one word phrases. They need more conversation, I think, so they can learn everyday interaction between them and other students. They really want to learn English, so I think their English will improve. Practice, practice, practice. Practice makes perfect. On a fait du vocabulaire, vous avez fait quoi? Nous on a fait vocabulaire anglais, je sais pas quoi. En fait, il fallait trouver le milo, tout ça, le lait, tout ça là. Oui, nous on a fait ça. Nous on a fait les saisons, l'hiver, l'été, tout ça. Oui. Comment faire les gâteaux, tout ça. Franchement, je veux pas dire ça, mais je me suis quand même améliorée sur le langage anglais.
avant, je savais pas trop l'anglais, mais maintenant, c'est bon, je sais pas, un petit peu parler anglais, je commence à bien parler anglais. Et franchement, c'est super. On est en train de stresser, on a peur, on a trop hâte d'être là-haut et de faire tous les circuits, là ça va être top. On a un peu le pack, parce que ça va être la première fois, mais sinon ça va. On termine en beauté avec la luge, franchement ça va être super et j'ai vraiment hâte d'aller à la luge. Je suis jamais allée ici, jamais fait de la luge. Voilà. C'est pareil comme si tu étais dans un avion. Sauf que dans un avion, on vole plus haut. Et là, c'est pas très haut. Purée, mon appareil photo, il est où? Ah, bah, laisse. Le temps que tu l'allumes et le temps que tu prenais une photo, c'est foutu. Tire, vite! So welcome to Skyline Rotorua. I'm just here to talk to you a little bit about what we offer to all our travellers that come through from all around the world. We have a great international market and it's constantly growing. We have many people coming through, just like you guys from New Caledonia today, which is fantastic. Skyline hosts about 400,000 to 450,000 travellers per year. So there's plenty to do as soon as you get up to Skyline Rotorua. Everywhere you look, there's activity, and it's often described as a hive of activity. So to anybody out there that hasn't been to Skyline Rotorua, make sure you get up here. It's fantastic. C'est en bas, c'était du vide, on dirait. Comment? Et le vide. Et on voyait toute la vue. Les arbres, les maisons, tout. C'est le téléphorique, c'est la première fois que je vais dedans. Et puis c'est fantastique. C'est bien, c'est beau, on voit toute la vue, tout ça. En plus, c'est zen quand tu veux te reposer, tu vois, moins une minute, deux minutes, tu vois. La petite voiture, hein. C'est pas vraiment une voiture, mais c'est comme une voiture. Et on glissait, et au début ça va, et après on y va à fond, comme ça, très rapide. Et après ça tourne, mais une fois que j'ai tourné un coup sec, mais l'autre côté ça tourne, ça levait comme ça. J'ai pas été tombé, mais j'ai poussé l'autre côté. Au début ça faisait peur, mais après j'ai eu l'habitude et j'allais vite. Straight from the top of my dome.
Allo. Rock the microphone. Quand c'était les virages secs, j'ai essayé de freiner. Freiner, c'est on tire vers nous. Et puis pour avancer, on tire un tout petit peu comme ça. Puis pour moi, c'était quand c'était les lignes droites, un peu comme les lignes droites, je pouvais tout lâcher. Je lâchais tout, j'appuyais, je pouvais plus lâcher tellement que c'était trop cool. That they're very, very hyper boys. They love to talk, and they love to play fight all the time. So it's been really, really great. A really, really great week. The boys are so much fun. They laugh all the time, and they've been really, really great to have around the house. Là, je suis en train de faire mes valises, mais là, en fait, quand je suis sur notre lit, on a tout détruit. Voilà. Non. Did you have a good day? Yes. That's good. Come on, Eva. Justine, what are you hiding in the corner? Do you want a drink? Yes. Everybody's so quiet now. My name is Friedrich, and I've got three children. One is 20, my daughter, she's 16, and my youngest boy is 12. We've been a host family for over 20 years, and we've hosted students from all over the world, from New Caledonia, from China, from Japan, and it's been great. I say in total we probably hosted up to 1,000 students, it's we've managed, you know, to make many friends from all over the world, which is great, you know, when we want to send our kids overseas so they have somewhere they can stay. And it's you make a lifelong friend, and it's amazing. We love hosting people and enjoy meeting people from overseas. It's a wonderful cultural exchange for both parties, for the visiting
students staying as well as for us, building relationships and learning about other cultures and sharing our culture with them. As you can hear from the children in the background, that even if the students come and they speak a different language, children seem to be able to communicate and play and enjoy each other, and they start to pick up each other's languages and words, and so it's a wonderful experience for everyone involved. With these girls, they're only here for 6 days, and in that time we've shown them around our beautiful city. We've tried to show them as much as we can in that time. C'était net le parc du dernier jour. Hein. Toi, t'es allé vite pour le premier parcours. Non, quand j'ai bien connu les règles, ben après je suis allé vite. Ah non, ça part tard la deuxième fois. J'ai été vite. Mais à un moment, j'ai eu peur dans le premier parcours parce que quand je suis arrivée enfin dans un virage et ma voiture elle a fait du deux-roues. J'ai trouvé que la famille d'accueil, elle était vraiment gentille et qu'on avait eu de la chance d'avoir un père qui parlait français et anglais. Et je trouve qu'on mange plutôt le matin. On mange pas beaucoup le matin. Enfin, on mange beaucoup le matin, mais le midi, pas beaucoup. Un petit sandwich et tout ça. Bon, j'ai bien aimé cette famille d'accueil parce que déjà, elle parle français. On fait beaucoup d'activités. Et ben... Ils sont gentils. Comme activité avec la famille d'accueil, on fait du basket avec Moana. On joue des fois au loup. Dans cette famille, nous avons fait du basket, du foot, on a marché, on a fait du shopping, on fait du piano avec Maeva. J'ai trouvé aussi qu'il fait plus froid ici. Ça a changé mes habitudes et... Ben, j'ai hâte de retrouver la Nouvelle-Calédonie. Ben, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, on a préparé nos valises. Et demain, à l'école, on y va à l'école à 7h15. Et après, on part avec le car. Donc ça y est, la dernière journée se termine. Les enfants ont adoré faire la luge sur piste. Toutes les activités étaient super, de la première à la dernière, même des fois quand c'était des découvertes. Je pense qu'ils se sont vraiment amusés, éclatés. Et pour ceux que c'était la première fois, ils ont été émerveillés. C'était vraiment amusant, donc je pense qu'ils ont vraiment apprécié ce séjour. Donc il est temps de rentrer à la maison. C'est le grand retour sur Kumak. Time to say goodbye to our wonderful group from Kumak, to our many students and teachers. We've had an amazing time. Thank you for coming to Rella. No matter where we've been, everybody has complimented them on their behaviour, on being amazing students. So thank you so much for making my job easy. Thank you so much for making Rella so proud of you, because no matter where we've been, they have said how wonderful you are. So thank you for coming. To Rotorua. Vous avez bien tout récupéré?
bah, moi je me suis levée, j'ai dit j'ai préparé ma valise, j'ai tout fait, j'ai vérifié s'il n'y a rien par terre. Après je suis partie. Je suis partie voir la famille et après j'ai dit au revoir, goodbye, et après je suis partie et voilà. Moi c'est la luge, j'ai bien aimé la luge. Ah ouais. C'était net hein. Mais en plus on a fait 4 tours. Ouais. Le dernier c'était gratuit. Les 5 activités de cette semaine. Ben, en 5e, je mettrai le shopping. En 4e, je mettrai le centre thermal Tepuya. En 3e, je mettrai l'agrodome. En 2e, je mettrai le Rainbow Spring. Et en premier, je mettrai Skyline parce qu'il y a beaucoup eu de sensations et c'est la première fois que j'ai fait ça. Du coup, j'ai bien aimé. En plus, on a eu le droit à faire un deuxième parcours un peu plus dur. Donc, c'était trop net. Moi j'ai retenu de la Nouvelle-Zélande voilà, les activités, voilà, les maîtresses. J'ai retenu aussi comment faut faire les repas. Après ça on va aller faire en Nouvelle-Calédonie. Moi ce que je retiens de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils ne roulent pas du même côté que nous en Nouvelle-Calédonie. Il y a des peuples maoris. Il y a aussi des animaux que je ne vois pas en Nouvelle-Calédonie, comme le kiwi. Et le Nestor qu'il y a. Et le signe d'Angleterre. Par rapport à tout ce que j'ai vu, je pensais pas que la Nouvelle-Zélande a été comme ça. Parce que c'est la première fois que je suis sortie du territoire et j'imaginais pas la Nouvelle-Zélande comme ça. J'imaginais avec des immeubles, des embouteillages partout. Voilà, une vraie ville quoi. J'imaginais pas comme la campagne, on va dire. J'ai hâte de rentrer, mais ça me manque les activités, les choses qu'il n'y a pas en Nouvelle-Calédonie, comme le shopping, les gros shopping, ou sinon les parcs, ou les grands manèges.